On est prêts? 3, 2, 1, allez, on y va! Je suis nerveux aussi que de ne pas pouvoir venir avec toi, parce que je devrais être avec toi. Tu vois ce que je veux dire? C'est quand même mon premier long métrage et c'est pas très facile. Et je disais, avec une carte visite comme Stéphanie, c'est bien si je continue dans le monde du sport, parce que voilà, dans une manière que ça aide, ça facilite des choses pour vendre un projet. Et entre-temps, ben, moi, je suis aussi un grand fan de tennis, donc voilà. C'était pour moi juste une opportunité de passer beaucoup de temps dans le monde de tennis. Je pense, surtout avec Stéphanie, que j'avais trouvé une manière de comment je pourrais faire des films, une voix presque. Je ne sais pas, donner aussi une certaine esthétique et une certaine... presque comme c'était du ballet. Par exemple, quand tu regardes les exercices qu'ils font en juliki, avec Julie Setep, c'est très... c'est comme une danse, en fait. Il y a toujours cette chorégraphie. Et moi, j'aime bien ça. En fait, la compétition, ça m'intéresse moins. Moi, je trouve qu'un joueur, la plupart du temps, il n'est pas sur une compétition, mais il est en train de s'entraîner. Et pour moi, c'est ça, en fait, que c'est aller à un côté de cette vie qui n'est pas assez allumée. Et je voulais montrer ça comme une danse, comme une chorégraphie. Ça, pour moi, c'était surtout une expérience pour trouver mon propre goût, mes esthétiques. Mais avec Stéphanie, j'ai aussi... Maintenant, c'est que l'histoire qui compte. Et ce n'est pas, en fait, tout le blabla. Ou tu vois que je veux dire que ce n'est pas le packaging, c'est vraiment genre l'histoire. Donc, c'est que là que j'ai commencé de vraiment réfléchir comment je veux faire des films et comment... c'est quoi mes pensées, mais surtout aussi de point de vue presque de moralité. Moi, j'ai toujours écrit des lettres à Julie. Et pour moi, j'ai toujours imaginé Julie comme une vraie personne. Et par écrire des lettres, en fait, il y avait toujours ce discours entre elle et moi. Et j'ai toujours trouvé, comme on dit, la solution. Là, parce que finalement, c'était vraiment un exercice de, comme on dit, presque de letting go of the ego. Et vraiment, genre, trouver, c'est vraiment, c'est quoi en fait, la vérité. Et qu'est-ce que, de quoi une fille de Julie a besoin. Et comment on peut raconter cette histoire, comment on doit les filmer, comment on doit faire tout ça. Donc c'était vraiment genre, c'était un exercice de trouver cette énergie qui n'était pas moi. Et voilà, enlever moi-même et mon personnalité de l'histoire. Ce n'est pas mon responsabilité de faire la politique. Moi, j'écris la poésie. By educating, you're not moving the people. It's by sometimes, you know, just creating poetry. Dat was het. Vind je nog foto of vind je de pauze? Foto. Allez, come on! Let's go! Goed gedaan, hè? Julie, is er iemand met wie dat je over deze dingen kunt praten?